Voilà, donc c'est un travail, alors vous avez la primeur de quelque chose qui n'est pas encore soumis. Voilà, donc c'est plutôt original. Donc c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec Damien Bricard, qui est à l'Institut de recherche de documentation en économie de la santé, l'IRDES, Myriam Clatt, qui est directrice de recherche à l'INED, et moi-même. Voilà. Donc l'idée, je ne sais pas si vous arrivez à lire, donc l'idée c'est que en France, il y a une consommation de tabac qui reste très importante, et vous savez que le tabac est une des causes de mortalité évitable les plus importantes. Et donc on s'intéresse depuis longtemps, en France et comme ailleurs, aux inégalités sociales liées à cette consommation, et on essaie de chiffrer à quel point la consommation de tabac renforce les problèmes de mortalité et renforce la gradation sociale de santé. Voilà. Donc on a travaillé depuis quelques années là-dessus avec Myriam et Damien. Alors il y a différentes approches sur ce type de données. Hein. Donc il y a des approches simplement indicateurs sociaux, classe sociale, niveau d'éducation, précarité dans le travail, etc. Et puis il y a aussi des analyses qui traitent d'événements de vie que les gens rencontrent au cours de leur vie. Donc des mises en couple, des fins d'études, des mises en couple, des naissances d'enfants, des décès, des séparations, etc. Alors il y a aussi quelque chose, la France est un pays de très grande migration, bien que les portes soient un petit peu fermées depuis quelques années, mais quand même là, il y a une proportion assez importante de la population qui est d'origine immigrée récente. Alors je t'emploie ces mots, immigrés, immigration, migration, de façon un peu interchangeable, je ne prétends pas du tout être spécialiste de la question. C'est-à-dire qu'à l'INED, comme à l'INSEE, il y a des gens qui ont défini ces termes pour des besoins d'études de façon démographique ou économique avec une grande précision. Alors moi, je ne vais pas utiliser ça comme ça. Hein. Je vous dirai exactement comment on a défini nos groupes migratoires, entre guillemets. Mais disons que voilà, la France est un pays d'immigration et on a une large partie de la population qui est concernée. Or, la plupart du temps, lorsqu'on documente les inégalités sociales de santé, et notamment à travers le prisme du tabac, on s'intéresse assez peu aux origines des personnes et à la migration. Et c'est un peu gênant parce qu'on a 10 à 12% de la population en France qui est concernée par une immigration récente. Voilà. Donc, si jamais il existe des inégalités liées à ces caractéristiques-là, elles ne sont pas mesurées ou pas quantifiées. Non pas qu'on ne puisse pas le faire, hein, mais c'est ordinairement pas ce qui est fait. Alors évidemment, la migration, c'est une sorte d'événement de vie assez important, en fait. Hein. Pour les gens qui viennent s'installer en France. Et donc, on peut se poser la question de savoir si ça a un impact sur la carrière tabagique, l'initiation ou la cessation de la consommation de tabac. Les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un choc, entre guillemets, tabagique lors de la migration, entre l'année qui précède et l'année qui suit. Est-ce que c'est une initiation? Est-ce que c'est une cessation? Est-ce que le fait d'être arrivé tôt en France a un impact? Donc, je vais voir pas si j'en ai longtemps parce qu'on est arrivé très jeune, ou est-ce que, au contraire, lorsqu'on arrive tard, il se passe des choses différentes. Alors, évidemment, ça fait aussi, derrière toutes ces approches, on peut voir en filigrane le healthy worker effect. Et les gens qui migrent sont en général des personnes en bonne santé, qui sont vigoureuses et qui donc sont plutôt jeunes. Mais elles trimballent aussi une partie des habitudes et des comportements de santé de leur pays d'origine et qu'elles avaient avant de venir. Est-ce que ces habitudes se perdurent en France? Est-ce qu'il y a une assimilation, une convergence des trajectoires tabagiques ou pas? Voilà. On peut faire l'hypothèse que plus on passe de temps sur un territoire, plus on finit par adopter les normes prévalentes et donc on finit par converger avec la population native. Voilà. Donc il y a quelques travaux qui traitent de ça. Alors principalement aux États-Unis, sur les Latinos notamment. Il y a quelques études en Allemagne avec l'immigration turque. En France, il y a extrêmement peu de choses, alors qu'on dispose avec l'INSEE et l'INED de grandes enquêtes qui traitent des origines migratoires et des mouvements de population. Voilà, donc un petit tour de la littérature. Donc, comme je vous le disais, il n'y a pas grand-chose en France, hein, voire même rien du tout. Alors, si on veut comprendre les effets de la migration, on peut avoir deux types d'approches, deux types de traitement des données. On peut utiliser des données qui sont transversales, donc des coupes dans des populations à un âge donné, et puis comparer, par exemple, différentes générations
donc différents exercices d'une enquête pour repérer des personnes de plus en plus âgées et voir distinguer les effets de génération, des effets d'âge au cours du temps. Ça, c'est possible, mais il faut pour ça disposer évidemment de longues séries sur des enquêtes pour pouvoir distinguer un effet de génération d'un effet d'âge. C'est pas toujours facile. Il y a certains pays où on arrive à le faire, mais c'est quand même assez rare. Donc après, la deuxième approche, c'est évidemment l'analyse longitudinale. Alors vous vous doutez qu'on ne dispose pas de cohortes représentatives de la population française qui documentent la migration, où on est à peu près 30 ou 40 ans de suivi des personnes. Enfin, à ma connaissance, ça n'existe pas. Alors il y a des choses, on peut se tourner vers les échantillons démographiques permanents, ce genre de choses, mais on a quand même assez peu de données de santé et de consommation de tabac. Donc on peut après ruser. C'est un peu ma marque de fabrique. Et donc, j'utilise des données transversales, mais sur leur versant biographique, c'est-à-dire les données collectées qui documentent le passé. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Et donc, les questions qu'on a voulu aborder, c'est simplement, est-ce qu'il y a des différences, entre guillemets, culturelles, mais c'est-à-dire à travers le prisme de la consommation de tabac, entre les migrants et les natifs, et quels changements dans les comportements tabagiques on peut voir suivant le calendrier de migration, c'est-à-dire les années qui précèdent la migration et les années qui suivent la migration. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc on a utilisé les données du baromètre santé, le fameux baromètre santé de l'INPES, enfin feu l'INPES. Et donc là, c'est les données du baromètre 2010, en attendant les données du baromètre 2017, qui ne seraient tardées. Et on s'est intéressé à reconstruire le passé des personnes pour une période qui va de 10 à 39 ans. Alors, je dirais, effectivement, les gens ils peuvent être plus âgés que 39 ans. Voilà, pourquoi 39 ans? Et en fait, c'est parce que comme là, je vais essentiellement vous présenter des analyses rétrospectives et qu'il y a des différences d'âge importantes au sein de la même enquête entre les personnes, qui ont 18 ans et d'autres qui ont 70 ans, si je veux pouvoir comparer des groupes et faire éventuellement au final des comparaisons entre générations, il faut que je puisse les comparer sur une période de vie qui soit à peu près commune. Donc on a choisi 10 à 39 ans, sachant que donc ça nous permet de distinguer trois générations, les personnes qui sont âgées de 18 à 39, celles de 40 à 59 et 60-70. 55 pardon, et 55-70, un truc comme ça. Donc on a trois groupes, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais c'est pour vous dire la chose. Et donc on a, je vais reconstruire le passé de ces personnages jusqu'à 39 ans, donc pour une raison de pouvoir comparer différentes générations entre elles et pouvoir les intégrer dans la même analyse. Et le deuxième truc, c'est qu'au-delà de 39 ans, il n'y a plus d'initiation tabagique pratiquement, voilà, il n'y a plus que des cessations. Et voilà, donc ces deux éléments nous ont invités à nous limiter dans le suivi rétrospectif jusqu'à 39 ans. Voilà. Donc les personnes qui ont été interrogées dans le baromètre et qu'on va utiliser là, elles sont âgées de 18 ans à 70 ans au moment de l'enquête, mais je vais reconstruire leur vie de leur 10 ans jusqu'à leur 39 ans. Il faut que vous ayez ça en tête parce que des fois je vais dire âge, mais bon, l'âge, ce sera un âge rétrospectif plutôt qu'un âge au moment de l'enquête. Alors, sur le tabagisme régulier, c'est-à-dire le tabagisme quotidien, dans le baromètre santé, on a l'âge à la première cigarette, ce qui n'est pas très très intéressant, mais on a surtout l'âge de passage à l'usage quotidien, et on a un âge d'arrêt s'il y a un arrêt. Voilà. Sur l'origine à la migration, on a la nationalité et le pays de naissance, l'âge d'arrivée en France métropolitaine et la nationalité des parents. Donc c'est avec ces variables-là qu'on va pouvoir différencier des groupes migratoires et des âges d'arrivée en France. Alors il faut savoir que, pour des raisons de confidentialité, on n'a pas accès au pays exact de naissance des personnes, mais à des groupes de pays. Donc ça limite un peu l'analyse. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir redéfinir les groupes comme je le voulais. Et donc je vais me concentrer sur des groupes qui sont assez bien définis et qui sont assez homogènes. Voilà. Donc là, par exemple, ce sera simplement... Je vais parler un petit peu des gens qui viennent du Maghreb et de ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne. C'est l'ensemble de pays relativement bien définis. Et je vais laisser tomber les autres groupes qui sont mal définis dans le baromètre. Il y a l'Europe. L'Europe étant quand même assez vaste et puis avec des cultures assez différentes entre l'Europe de l'Ouest, du Sud, du Nord, ça c'est quand même, et l'Est, c'est assez différent. Et puis après, il y a une catégorie résiduelle qui était le reste du monde. Le reste du monde, c'est pas non plus. Voilà. Donc on a Maghreb, les pays subsahariens, et puis voilà, puis je vais aussi un peu parler des dom-tom, un petit peu. Puisqu'en fait, c'est une migration intérieure, des gens qui sont nés dans les dom-toms qui viennent s'installer en France, mais ils ont des spécificités aussi.
Alors, dans ce que je vais vous présenter, je ne parlerai pas des rapatriés du Maghreb. On les a aussi, on les a analysés, mais pour un peu alléger le truc, je ne les mets pas là. Parce qu'en fait, c'est un groupe qui est assez particulier du point de vue de l'âge. Il est plus âgé que les autres migrants du Maghreb. Et ils ont des caractéristiques, enfin, ils fument, en gros, ils fument comme des pompiers, quoi. Donc c'est assez facile à décrire. Mais voilà, j'en parlerai pas pour simplifier le propos. Et donc les analyses statistiques que je vais utiliser, bah, c'est des modèles logistiques à temps discret. Donc voilà, on reconstitue la vie des personnes de 10 à 39 ans. Et donc il y a une ligne par âge rétrospectif jusqu'à la consommation de tabac, si elle intervient avant 39 ans, ou jusqu'à 39 ans, ou l'âge. Le maximum entre l'âge et 39 ans si la personne n'a pas fumé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelqu'un qui a commencé à fumer à 25 ans, il a 25 lignes, enfin 26, de 10 à 25 ans. Et quelqu'un qui n'a pas fumé et qui a 25 ans, eh ben, il a 26 lignes où il n'y a que des zéros. La variable tabac est renseignée à zéro sur les 26 lignes. Alors que la personne, son homologue qui a fumé à 25 ans, il a 25 lignes de zéro pour le tabac et la 26e, là où il quitte l'observation, c'est le tabagisme et ça vaut 1. Voilà. Donc ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais en fait, c'est un modèle qui permet, enfin qui est très souple et qui est un peu qui est proche en fait dans les résultats des modèles de Cox. Ça permet des lectures différentes. Enfin, moi j'ai une petite préférence pour ce type de modèle, mais peu importe. On aurait pu faire ça avec des modèles de Cox aussi. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne pour les hommes. Si on prend. Alors là, il y a tous les. Là, par contre, je vais vous présenter des graphiques où je n'ai pas distingué par origine migratoire. Donc là, il y a tous les migrants qui sont pris en compte. Et vous voyez, pour les hommes, suivant la migration, donc là, en bleu, c'est les natifs. Donc ceux-là, ils n'ont pas migré. Hein, donc c'est la population générale. Donc c'est la prévalence à chaque âge reconstruit. Donc là, par exemple, à 15 ans, en population générale, il y a à peu près 9% de la population qui fume quotidiennement. Alors c'est 9% à 15 ans. Mais 15 ans, en fait, il est variable, hein, suivant ça fait référence à des dates différentes suivant l'âge de la personne qui est interrogée. Hein. C'est un peu spécial. Là, on a les deuxième génération de tous les groupes migratoires, première génération avant la migration, les années avant la migration, et la première génération après la migration. Vous voyez qu'il y a quand même des choses assez différentes. Les deuxièmes générations, elles sont assez proches, en général, des natifs, la courbe bleue et la courbe rouge, hein, pour les hommes, alors qu'avant la migration, on était largement en dessous, les années avant la migration pour les migrants, et les années après la migration pour les migrants, donc quand ils sont arrivés en France, il y a une petite augmentation. Donc on voit quand même une convergence des migrants, suivant la génération de migration, si on peut dire, jusqu'aux natifs. Et la deuxième génération, donc née en France mais d'origine immigrée, ils sont à peu près comme les natifs pour les hommes. Voilà ce qu'on voit plus précisément en moyenne mobile, hein, pour lisser un peu les courbes. C'est pas toujours très, très propre. Ce qu'on voit plus précisément suivant le calendrier de migration. Donc on a distingué plusieurs périodes. Les années avant migration, donc là c'est en rouge. Les 5 premières années passées en France, 0 à 5 ans. Ensuite 5-10, et puis ensuite supérieur à 10 ans. Et vous voyez qu'en fait, les courbes s'ordonnent suivant le calendrier de migration en fait. En moyenne, les immigrés fumaient moins avant la migration et puis ils commencent à fumer de plus en plus. Ça, c'est pour les hommes. Et pour les femmes, on retrouve un schéma à peu près similaire, sauf que c'est un peu plus chaotique, mais c'est à peu près pareil. Donc avant migration, ça a gardé dans le dessous. Bon, là, il y a un problème effectif, hein, il y a un truc. Après la migration, ici, ça augmente un peu. Les 2G sont un peu au-dessus des natifs aussi. On retrouve le même genre de schéma. Et suivant le calendrier de migration, ici, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc évidemment, là, c'est des données qui agrègent tout le monde, hein, quelles que soient les générations de naissance, notamment. Donc on peut pas dire, par exemple, je peux pas dire que, quand je regarde le point de 15 ans, là, ce serait 15 ans avant 2000. Enfin, j'ai pas une idée de la date à laquelle ça s'est passé, hein, c'est un âge reconstruit. Voilà l'idée du truc, c'est à partir quand on a fait ces courbes-là qu'on s'est dit qu'effectivement il y avait quelque chose quand même en moyenne sur les immigrés et que la consommation de tabac avait l'air quand même de dépendre assez fortement du calendrier migratoire. Donc voici la tronche de l'échantillon en 2010. Donc la référence, c'est toutes les personnes qui sont nées en France et qui ne font pas partie des groupes migratoires qu'on a décrits.
les groupes migratoires étant ceux qui sont nés dans les dom-toms, les deuxièmes générations du Maghreb, je vais en parler un petit peu parce que c'est intéressant quand même pour voir s'il y a un lien et une différence avec la première génération d'origine du Maghreb. La première génération d'origine du Maghreb est les subsahariens. Enfin, je ne sais pas comment il faut dire, les personnes d'origine de pays subsaharien. Vous avez les effectifs, là. Donc ce n'est pas toujours des effectifs très importants, hein. À part le Maghreb, et puis voilà, c'est pas super. Et pour les femmes aussi. Donc là, vous avez l'âge médian. Donc, vous voyez, par exemple, la deuxième génération du Maghreb, elle est plus jeune, évidemment, que la référence, elle est plus jeune que les autres. Vous avez les subsahariens et le Maghreb, première génération, à peu près le même âge, ils sont un peu plus jeunes aussi que la référence. Voilà. Les âges médians d'arrivée en France, pour les dom-toms, c'est 18 ans, pour le Maghreb, c'est 20 ans, les subsahariens, c'est 22. La durée de séjour en année en médiane aussi, ouais, donc, évidemment, c'est corrélé. Hein. Enfin, les niveaux d'éducation, donc le niveau collège maximum, vous voyez qu'en fait, les migrants, les personnes d'origine migrées sont moins éduquées en moyenne que la population nationale. En moyenne, hein, parce que là, pour la deuxième génération du Maghreb, on est quand même très très proche. Et le niveau d'éducation supérieure, Bac plus 3 et plus, bah, là, en moyenne, c'est pareil, on est en dessous, sauf pour les migrants subsahariens. Et là, vous avez la proportion de fumeurs, là, c'est la proportion de fumeurs en 2010, quel que soit l'âge des personnes, donc c'est vraiment l'échantillon avant l'analyse. Donc 32% chez les hommes de la population majoritaire, la référence. Les dom-tom, c'est moins. Le Maghreb, la deuxième génération, c'est plus. La première génération Maghreb, c'est plus. Et puis le subsahara, c'est beaucoup moins. Et voilà, voici pour les femmes. En moyenne, la consommation est plus faible, avec des contrastes qui sont encore plus forts. Ça passe de 14% à 40%. Voilà. Donc on a bien l'impression que dans le Maghreb, en deuxième génération, on fume un peu plus. Mais on ne s'est pas corrigé de l'âge ni de rien. Et que par contre, les premières générations ont tendance à fumer moins, sauf pour les hommes. Voilà. Alors là, si maintenant, juste pour avoir une idée de la robustesse de ce que je vous ai montré avant c'était des pourcentages, est-ce que ces choses-là restent vraies lorsqu'on corrige de l'âge et de l'éducation? Donc j'ai utilisé, pareil, je ne vous le montre pas là directement, mais un indice qui permet de calculer donc un RI, dont vous a parlé Grégoire tout à l'heure. Alors là, c'est particulièrement important dans une analyse telle que celle-là, d'avoir une variable de rang pour l'éducation, parce qu'on a basiquement trois générations de personnes, voilà, ce qui représente en fait des groupes d'âge, hein, dans les enquêtés de 2010, des jeunes, des moyens et des plus vieux. Et donc, évidemment, même s'ils sont tous interrogés sur la même échelle de diplôme, que le disait Grégoire, c'est pas la même chose d'avoir le bac il y a 50 ans ou d'avoir le bac aujourd'hui, tout simplement. Et donc, la variable de rang permet notamment de s'affranchir de ce niveau absolu d'éducation, parce que ça place les gens sur une échelle relative par rapport à leur population, à leur génération, en l'occurrence, moi qui m'intéresse, d'origine. Et donc, ça permet de s'affranchir de la dévaluation du diplôme. Donc, ça rend les choses comparables. Donc, j'ajuste là-dessus. J'ajuste aussi sur l'âge, en 2010, sur l'âge au carré, et puis c'est tout. Et puis, la génération de naissance, alors, je crois... Non, même pas, non, pas ici. Voilà, si, c'est marqué. Voilà. Et donc, là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les dom-toms, ils fument moins que la référence, c'est-à-dire que la population majoritaire. Les maghrébins, la deuxième génération, ça avait l'air d'être un peu plus tout à l'heure, honnêtement, en pourcentage, c'est un peu confirmé en jeu de ratio. Première génération de maghrébins, c'est significatif, presque, hein, comme la deuxième génération. Les subsahariens fument nettement moins, et on a à peu près le même topo ici pour les femmes, avec la grosse différence, c'est que les premières générations d'origine maghrébine, elles fument beaucoup moins, malgré tout, que les natives. Voilà, voilà donc si on doit comparer les niveaux de consommation des personnes d'origine immigrée à la population de référence en France en 2010, on a ce tableau-là, les dom-toms, c'est nettement moins. Les maghrébins, ça, la deuxième génération, c'est en tendance un petit peu plus que la population majoritaire. Les premières générations de maghrébins, c'est un petit peu plus en tendance pour les hommes, mais nettement moins pour les femmes. Et les subsahariens, pour les deux sexes, c'est nettement moins que la population de référence. Donc on voit déjà qu'il y a des choses qui sont très contrastées. Mais ça, c'est le topo, donc c'est la photo en 2010. Donc maintenant, c'est vrai que l'exercice est un peu plus délicat, on va remonter le passé et on va essayer de reconstruire le passé. Donc là, on a un modèle donc, logistique à temps discret, donc sur ces personnes années, hein, et donc on reconstruit le temps. Et voilà, donc je vais me comparer... Donc, je fais toujours l'analyse par sexe, donc les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. La référence est toujours la population majoritaire, donc non migrante, enfin pas non migrante, mais qui n'a pas d'origine migratoire, peut-être que je l'ai définie.
Et là, je compare, donc là, je modélise jusqu'à 39 ans ce qui se passe pour les personnes d'origine immigrée par rapport à la population de référence. Voilà. Donc, en ajustant, ce sont les mêmes choses. Donc, le rang d'éducation, le suivi, c'est l'âge rétrospectif, en fait, suivi au carré, la génération et l'âge relatif dans la génération. Voilà. Donc là, on se rend compte que en moyenne, une année donnée, les deuxièmes générations de maghrébins n'ont pas véritablement plus de chances que les natifs de se mettre à fumer, de fumer une année donnée. Donc, si vous vous rappelez, ici, on était à, pour les hommes, on était à 1,20 au total en 2010. Donc, une tendance à être un peu plus. Ça se confirme lorsqu'on regarde en moyenne une année donnée. Le risque de consommation, c'est 1,01, c'est à peine supérieur. Mais c'est cohérent. La première génération de migrants. Si on regarde ce qui se passait pour eux avant qu'ils migrent, par rapport aux natifs du même âge. C'est un drôle d'exercice parce que les natifs du même âge, ils n'ont pas migré. Mais voilà, c'est un peu bizarre. Donc je vais les considérer comme la référence et je vais prendre toutes les années qui précèdent la migration pour les Maghrébins. Et là, je m'aperçois qu'effectivement, en moyenne, une année avant la migration, par rapport à un natif du même âge, une personne qui a migré en France et qui vient du Maghreb avait beaucoup moins de chances de fumer qu'un natif. Donc avant la migration, il y a moins de consommation pour les gens originaires du Maghreb. Si je regarde pour les années qui suivent la migration, là j'ai un effet donc, qui n'est plus significatif, j'ai plus de différence, mais une légère sous-tendance. Voilà. Et donc si je regarde pour ce groupe migratoire originaire du Maghreb, la différence avant-après, on a une tendance à l'augmentation, mais ce n'est pas significatif. On a l'impression qu'il y a un petit effet de la migration, comme on le voyait sur les courbes ici. Hein. Voilà, ça se confirme en multivarié. Si on regarde pour les subsahariens, on a avant la migration une sous-consommation, après la migration une sous-consommation, et au total, pas de différence entre avant et après, même une légère tendance à la baisse, mais à peine. Donc, eux ne fumaient pas beaucoup, ils arrêtent, ils fument toujours pas beaucoup. Voilà. Pour les femmes, avant la migration pour le Maghreb, pour la deuxième génération de Maghrébins, on est à 1,05, ce qui confirme ce qu'on voyait avant, hein, c'est-à-dire une légère tendance, une année donnée, à fumer un petit peu plus que la population nationale, enfin la population de référence, c'est ce qu'on voyait ici. Hein. On était la deuxième génération de Maghrébins, au total, en 2010, en l'ensemble des années, c'était 1,21. Donc là, une année donnée, 1,05. C'est cohérent. Par contre, si on regarde pour ces femmes qui viennent du Maghreb avant qu'elles migrent, par rapport aux natifs du même âge, alors là, c'est un ratio de 0,03, c'est quand même très très faible. Évidemment, elles ne fumaient pas beaucoup, c'est effectivement assez mal vu de fumer pour les femmes dans ces pays-là, en moyenne, en tout cas, pour en moyenne sur l'ensemble des générations qu'on étudie ici. Pour ce qui se passe après la migration, toujours comparé aux natifs du même âge, 0,26, un ratio avant-après de 10, donc évidemment, ça a énormément grandi, mais ça reste quand même inférieur à la population de référence nationale, puisque c'est 0,26. Pour les subsahariens, 0,03, 0,43, 6,47. Donc on a quand même vraiment l'impression qu'il y a une augmentation pour les femmes, en tout cas très massive, il y a un effet, je dirais, positif malheureusement pour le tabac, de la migration. Voilà ce que ça donne en détail avec le calendrier de migration par rapport aux natifs. Donc ici, c'est la ligne des natifs, là c'est la population de référence, et là c'est, je me compare aux natifs chaque année, enfin à chaque étape du calendrier de migration. Donc avant, on retrouve les chiffres du tableau, hein, grosso modo. Pour les Maghrébins, avant c'était 0,61, c'est significatif. J'ai mis un petit carré quand c'est significatif. Ça redescend un peu après. Les 5 premières années qui suivent la migration, c'est pareil, ça change pas, quoi. Après, on arrive à la population nationale, et 10 ans après, on est au-dessus. Pour les subsahariens, là c'est toujours les hommes, comme on le voyait, c'était en dessous, 0,34, puis ça reste en bas. Et ça ne change pas. Ça, c'est comparé à la population de référence. Maintenant, si je regarde la dynamique interne, c'est-à-dire l'effet de la migration simplement sur la consommation des migrants, je ne les compare plus à la population nationale, je les compare à eux-mêmes avant la migration. Donc là, c'est la référence avant la migration. 0,5 ans, ça ne change rien. Et là, 6-9 ans, ça ne change rien. Et en fait, pour les Maghrébins, on a juste un effet au bout de 10 ans. C'est au bout de 10 ans, en fait, que les choses se passent pour les Maghrébins, que vraiment la consommation augmente. Pour les subsahariens, on reste à un effet qui, voilà, comme on le voyait sur les analyses avant, la migration n'a pas l'air d'avoir changé quelque chose par rapport aux natifs. Si ça n'a rien changé par rapport aux natifs, bah, eux-mêmes n'ont pas beaucoup changé. Voilà. Pour les femmes, on a quelque chose de massif par rapport aux natifs. Donc, avant la migration, on est à 0,03, quel que soit le groupe migratoire étudié. Hein.
Et puis ensuite 0,19, 0,3 et 0,7 pour les... Tiens, il manque les chiffres, ça va sauter. Et puis pour les maghrébines, bah, ça reste en dessous aussi. Voilà. Donc il y a une légère convergence, mais on reste en dessous quand même pour ces deux groupes migratoires pour les femmes par rapport aux natifs du même âge, quel que soit le moment, quel que soit le temps dans le calendrier de migration. Et si on regarde la dynamique interne, par contre, bien qu'elle reste sous-consommatrice par rapport aux natifs, quel que soit le calendrier de consommation, le calendrier de migration, bah, en fait, on a quand même, par contre, des évolutions qui sont énormes. Alors, c'est des autres ratios, hein, ça gonfle les choses. Hein. Mais voilà, donc on a un odds de 27 pour les subsahariennes, après 10 ans passés sur le territoire, par rapport à la situation d'avant leur migration. Voilà. Alors, les DOM-TOM, je ne les ai pas montrés là, mais en gros, on a une évolution légère de la prévalence de la migration, mais qui ne rattrape jamais les natifs, ils restent toujours en dessous, hein, quel que soit le calendrier de migration, c'est plat, quoi, donc pas grand-chose à en dire. Voilà, donc pour eux, la migration n'est pas véritablement un choc. Est-ce qu'il y a des inégalités là-dedans? Alors, dans le papier qu'on est en train de préparer, on a regardé aussi les sex ratios en fait, pour la consommation, qui sont du point de vue de chaque origine migratoire assez instructif sur le degré d'égalité de parité homme-femme. Et ça renseigne aussi sur le stade auquel se situent ces populations dans l'épidémie tabagique. Voilà. Mais là, je ne vous présenterai pas ça, je vous montre simplement les RI, donc les indices d'inégalité relative pour l'éducation, pour chaque groupe migratoire par rapport au groupe natif. Alors, le RI, là, il se lit, alors, comme l'a évoqué Grégoire, c'est pas tout à fait le ratio des moins éduqués sur les plus éduqués, mais c'est pas très loin de ça, c'est la pente, hein, mais bon, en pratique, ça revient, en tout cas, dans notre cas, pratiquement à regarder les moins éduqués par rapport aux plus éduqués, donc c'est l'effet d'un gradient, enfin, de la descente des diplômes, en fait, sur la consommation de tabac. Plus les gens ont un diplôme, plus le RI ici est élevé, plus ça veut dire que c'est un truc masculin de fumer. C'est un truc, pardon, des moins diplômés de fumer, pardon. Donc là, c'est 3,50 pour la référence. Hein, donc en gros, et si on retrouve ça pour la population générale, hein, c'est à peu près ça, le RI, c'est 3, hein, 3,30. Pour les DOM, on est à 0,46. Pour les subsahariens première génération, on est à 3,19. Et pour les maghrébins, 2,72. Donc là, vous avez les écarts par rapport à la population de référence. Donc ici, on est pour les domiens, c'est beaucoup moins inégalitaire que pour les natifs, pour les hommes. Pour les subsahariens, c'est la même chose. On a un ratio qui est de 0,91. Donc il n'y a pas plus d'inégalité, voire même un petit peu moins chez les hommes d'origine subsaharienne. Et pour les maghrébins, il y en a encore un peu moins, 2,72. Pour les femmes, on est à 2,0 en moyenne pour les inégalités liées au diplôme pour la consommation de tabac en métropole pour les natifs. 0,66 pour les domiens, donc ça a tendance à être un peu plus faible aussi, mais la différence n'est pas significative. Et les subsahariens, 0,97, ça veut dire que c'est pareil que pour les natifs. Et pour les maghrébines, par contre, là, on a un truc qui est très lié au diplôme. Ce sont effectivement les moins diplômés qui fument. De façon très très marquée. Alors, ce qui manque là dans cette analyse-là, c'est l'évolution de ces inégalités de diplôme avec le calendrier de consommation. Donc ça, on n'a pas encore fait. C'est-à-dire que on peut imaginer que les choses changent en fait, que les inégalités se modifient au cours du temps entre les différents groupes migratoires, enfin entre, ouais, au cours du temps, suivant le calendrier de migration, et que par exemple, après 10 ans passés sur le territoire, on n'a plus les mêmes inégalités liées au diplôme qu'avant la migration. C'est possible. On ne l'a pas encore regardé. Il faut savoir qu'on est un peu limité dans ce type d'analyse rétrospective par le fait que le diplôme, il n'est mesuré qu'en 2010 selon une enquête. On n'a pas de mesure rétrospective et donc on n'a pas d'évolution du diplôme. Les deux choses, seules choses qui bougent, en fait, c'est, d'une certaine façon, c'est la migration, même si c'est donner un âge, et puis c'est l'initiation et la cessation tabagique. Voilà. Donc le bilan provisoire, c'est qu'on a quand même une tendance à une convergence de la consommation avec le temps passé sur le territoire. Bon, ça varie suivant les origines, mais globalement, c'est un peu ça. Les DOM, ça reste plutôt en dessous, les subsahariens aussi. Mais en tout cas, pour le Maghreb, c'est une convergence très forte. Et on a cette même tendance partout, bien qu'elle soit extrêmement marquée, surtout pour le Maghreb. La situation tabagique des pays, elle reste à explorer, en fait, pour évidemment expliquer ce qui se passe. Alors, il faut savoir que grosso modo, quand même, au stade où on en est de nos recherches, là,
on voit que les pays du Maghreb et les pays subsahariens sont plutôt des pays qui sont à un stade antérieur de l'épidémie tabagique relativement à la France. C'est-à-dire que c'est un pays où la consommation s'est développée, mais c'est encore surtout les hommes qui consomment. Et il n'y a pas encore beaucoup de cessation, voire pas du tout de cessation tabagique là-bas. Et donc la mortalité par cancer, elle concerne surtout les hommes et pas encore les femmes. Et il y a un rattrapage très très lent de la population féminine là-dessus. La France est à un stade beaucoup plus avancé. Il y a une baisse marquée de la consommation chez les hommes, en moyenne, enfin sur une tendance un peu longue. Et une diminution des cancers aussi, enfin je crois pas me tromper. Hein. Voilà. Et par contre, pour les femmes, on a plutôt une augmentation des cancers, et depuis quelques années, enfin même depuis assez longtemps, en fait, un rattrapage des hommes sur le point de vue de la consommation tabagique. Voilà. Donc ça veut dire que quand même, si on regarde le contraste qui existe entre les migrants avant la migration et après la migration, pour certains groupes, en fait, venir en France, ce n'est pas du tout bénéfique du point de vue de la santé, si on envisage évidemment la santé par la toute petite lorgnette du tabac. Et c'est d'ailleurs un sujet qui commence à préoccuper un certain nombre de personnes qui s'intéressent à la santé des populations, en disant que bah, y a des comportements qui sont bien adoptés dans les populations de destination, et il y en a d'autres non. Et donc parmi les choses qui sont en général assez mauvaises, il y a le tabagisme, la consommation d'alcool et puis l'alimentation. Et pour évidemment, il y a certaines populations qui finissent par adopter les normes de consommation alimentaire et pour lesquelles c'est extrêmement délétère sur le plan des maladies cardiovasculaires, d'obésité, etc., etc. Donc nous, on ne traite pas de ça, on traite du tabac, mais ça fait partie de ce même genre de choses. Et les populations migrantes qui au départ ont un avantage relatif en termes de santé, de comportement de santé, finissent par le perdre. La plupart d'entre elles, en tout cas, avec la durée de séjour sur le territoire. Alors, il y a un certain nombre d'exceptions à ça. Hein. Par exemple, une exception notoire pour les Latinos aux États-Unis, notamment en Californie, où ce sont eux qui tirent bénéfice de leur migration et de comportements de santé beaucoup plus sains que les natifs. Et ils ont profité bien plus que les autres populations, les interdictions liées à la consommation de tabac dans les lieux publics, etc., etc. Et la mortalité est beaucoup plus faible pour ces groupes-là que pour d'autres. Et alors que la plupart du temps, ce n'est pas ce qu'on observe. Et effectivement, il y a quelques particularités, mais la tendance générale, c'est quand même ça, c'est une acculturation et une assimilation, et donc une convergence des comportements de santé. Voilà, donc alors la grosse limite de ce travail, ben, c'est, évidemment, ce sont des données rétrospectives. Alors ça a un gros avantage, c'est qu'on n'a pas d'attrition. Alors, ça, c'est pas mal, hein, quand même. Ça coûte pas cher, c'est bien aussi. Alors, il n'y a pas d'attrition, mais là, on mesure les choses qu'une fois. Enfin, en tout cas, notamment pour l'éducation, ça c'est un gros problème. C'est compliqué d'avoir des mesures rétrospectives fiables et pas ennuyeuses à collecter au téléphone. C'est quand même compliqué. Les analyses biographiques et donc les collectes biographiques, ça existe. Hein. C'est très développé, notamment à l'INED et dans d'autres instituts, mais ça nécessite des dispositifs de collecte assez coûteux. Et puis, donc ça se fait en face à face essentiellement, pour que ce soit efficace. C'est des grands tableaux qu'on déroule où il y a différentes dimensions de la vie qui sont abordées en même temps, la mobilité géographique, professionnelle, familiale et comportement de santé. Tout ça pour favoriser la remémoration des choses. Parce que évidemment, quand on tire un fil dans la pelote de la mémoire, tout vient, quoi. Et donc ça permet de consolider, et voilà. Mais c'est extrêmement coûteux à collecter. Donc là, c'est pas comme ça qu'on fait dans le baromètre. Hein. C'est trop compliqué. Mais on peut envisager, par exemple, de rajouter dans les éditions ultérieures du baromètre quelques questions qui demandent des changements. Alors peut-être pas de diplôme, mais pourquoi pas. Ça concernerait peu de monde, mais donc, ce serait pas forcément très utile, parce qu'il faut savoir que le diplôme est quand même une mesure assez stable au cours de la vie. Mais peut-être les changements socio-professionnels, les promotions, les changements de poste, les élévations, etc. Donc ça, ça pourrait concerner plus de monde. On commence à réfléchir à l'introduction de quelques questions de ce genre-là pour avoir une idée d'un recueil longitudinal de la situation socio-économique. Alors il faut savoir aussi que là, dans ce que je vous ai montré, on a quand même aussi des difficultés pour qualifier de façon précise certains groupes. Alors ça, c'est lié à des problèmes de confidentialité. Ça pourrait être levé, mais bon, voilà. Et par ailleurs, il faut bien voir que là, on est placé du point de vue du pays d'accueil. Les personnes sont interrogées en France en 2010.
Et donc ça pose deux types de problèmes. Un, on a éventuellement des problèmes de langue et donc de sous-représentation de certains segments de ces populations migrantes, parce que certaines, par exemple, sont trop fraîchement arrivées et donc ne maîtrisent pas suffisamment le français pour parler au téléphone, enfin, en tout cas pour un entretien long. Il peut y avoir des réticences aussi plus grandes de certains groupes plutôt que d'autres à partir de ce type d'études. Ça, c'est un premier biais qui est incontournable, mais quand même sans doute important. Et le deuxième, c'est que ben, on a finalement rien du tout de l'environnement de départ des personnes. Et il faut savoir que les personnes migrantes immigrées qu'on interroge en France sont simplement celles qui ont fait le chemin jusqu'au bout, en fait. On rate toutes celles qui ne sont pas parties, qui sont sur place, qui ont essayé de partir, qui sont parties, qui sont revenues, etc. Donc on rate aussi une partie des immigrés en tant que tels. Voilà. On n'a que ceux qui sont restés. Donc c'est une limitation importante pour un certain nombre de trucs. Mais en tant que contributeur à la population générale de la France, les immigrés qu'on interroge en dehors des santé sont la plus grosse part, on pense quand même. Donc on a quand même une partie robuste de l'analyse qui est assurée. Voilà, donc il faut savoir qu'en 2017, là, les données du baromètre vont permettre le même type d'analyse, avec la même précision et même un peu plus normalement, sur les pays d'origine. Et puis on a rajouté deux questions sur les langues parlées durant l'enfance. Alors les langues parlées par les parents dans le ménage, et les langues parlées aussi et maîtrisées dans l'enfance par le répondant, de façon à pouvoir envisager une transmission interculturelle, c'est un petit proxy, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais sur les modes de vie et la prégnance d'une transmission générationnelle. Voilà, voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du tout ce que vous attendiez, hein. Fort désolé, mais j'espère que ça vous aura quand même intéressé. Voilà, je vous remercie. C'était une petite question sur la mesure du niveau d'études, ouais. Parce que vous l'avez très bien expliqué, mais c'est pour bien voir si j'ai bien saisi. Donc elle est mesurée donc une seule fois en 2010. Ouais. C'est une mesure de rang pour prendre en compte l'effet générationnel donc du niveau de diplôme. Et la question que j'avais, c'est donc ça, à chaque fois, la mesure du rang, elle est au sein d'un même groupe migratoire, c'est ça? Alors, on a essayé plusieurs choses. Alors, on peut adopter plusieurs perspectives. On peut adopter une perspective qui est la perspective, je dirais, majoritaire de la population d'accueil, ou même de l'ensemble de la population, et donc, ou alors, au contraire, adapter le rang à chaque groupe migratoire. Mais la première chose que... Enfin, j'ai peut-être pas été clair. J'ai dit que le rang permettait de s'affranchir et de neutraliser une partie de la dévaluation des diplômes, donc liée aux générations. Donc, c'était implicite pour moi, mais c'est amené en le disant, de dire que le rang, en fait, il est calculé dans ce que j'ai fait là, pour chaque sexe, séparément, et pour chaque génération, séparément. Sinon, ça n'aurait pas trop de sens, en fait, parce que je ne corrigerais pas la dévaluation du diplôme. Tout le monde serait placé suivant le rang, donc quelqu'un qui a le bac en 2010, quel que soit son âge, ça ne tiendrait pas compte de la position relative du bac dans la hiérarchie des diplômes il y a 30 ou 40 ans. Donc là, c'est fait par sexe et les trois groupes d'âge, donc les trois générations. Voilà. Et donc, oui, après, le principe est le même, c'est on calcule le pourcentage de gens qui ont au moins ce diplôme, et puis c'est ça. Mais du coup, la question deuxième, justement, et donc tout ça, c'est au sein du même groupe migratoire tel qu'ils sont définis. Finalement, non, on l'a fait au sein de la population majoritaire, sachant que si on travaille au sein des groupes migratoires, on fait des rangs calculés par sexe et génération au sein des groupes migratoires, au final, d'abord, il y a peu de monde, mais ça fonctionne quand même, il y en a assez. Mais c'est que ça donne des résultats qui sont quasi identiques. Et en fait, on s'est dit, bon, finalement, autant classer les gens dans l'ensemble de la population auquel ils contribuent, c'est-à-dire la population nationale. On s'est dit, finalement, c'était plus simple plutôt que de dire, voilà, on va faire un rang pour les Maghrébins de telle génération de naissance, etc. On n'a pas fait ça. Mais on l'a testé une fois et c'est tellement corrélé que les résultats, ils changent quasiment pas. Désolé, c'est qu'en fait, là, c'était ça, parce que vous en avez parlé, mais j'ai pas très bien compris. Comment, du coup, est pris en compte, parce que j'ai vu qu'il y a différentes manières de prendre en compte l'âge, suivi selon deux lignes jusqu'à l'événement, suivi au carré, âge dans la génération, mais comment est pris en compte dans toutes ces variables l'âge à la migration, en fait. Alors, ça, c'est le truc.
On a mis pas mal de temps avant de réussir à faire... Qui du coup est sûrement lié aussi au côté de mesure de diplôme. Est-ce que le diplôme était plutôt au pays d'accueil avant? Alors ça, on n'en tient pas compte. Ça, on n'en a pas tenu compte. C'est effectivement une bonne remarque. On pourrait envisager de le faire. On ne l'a pas fait, mais c'est possible de savoir si les gens... Enfin, approximativement, en fait, parce qu'on a le niveau d'éducation... On n'a pas l'âge auquel les gens ont terminé leur diplôme. Et donc, approximativement, on pourrait savoir s'ils ont achevé leurs études dans leur pays d'origine ou pas. Donc, en fait, pour chaque personne année, enfin, chaque année rétrospective, là, on a un indicateur qui dit si c'est avant la migration, dans les 5 premières années de la migration, sachant que les personnes ont indiqué leur âge de migration quand ils ont migré, entre 6 et 9 ans, 10 ans et plus. Donc, c'est une variable, en fait, qui flotte. Si j'ose dire, elle est dépendante du temps, cette variable. Voilà. Et c'est ça que je présente ici, là, dans les... voilà, c'est ces choses-là. Avant, 0, 5 ans, 6, 9 ans, 10 ans et plus, c'est cette variable-là. Donc en fait, elle n'est pas ancrée à une date donnée. Elle est relative à la migration, quoi. Donc c'est assez compliqué, puisque finalement, c'est toute génération confondue, tous âges confondus. Voilà, c'est ça. Voilà, et donc on a utilisé deux trucs. Deux paramétrisations de cette variable différentes. On en a une où on se compare à la référence, c'est-à-dire que du coup, l'odds ratio, c'est... enfin là, j'ai laissé volontairement le truc comme ça pour attirer l'attention du lecteur. C'est qu'en fait, là, on se compare, on dit que les natifs, ils n'ont jamais migré, ce qui est vrai, hein, absolument pas. Donc on leur donne, en fait, ils ont la modalité 0, ils sont considérés comme étant toujours avant la migration. Et les autres, ils sont soit avant la migration, même modalité de la variable, soit 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, c'est un codage qui permet de se comparer à la population de référence à chaque moment du calendrier de migration. Assez intellectuellement, c'est un peu bizarre, hein, quand même. Et puis le deuxième truc, là, j'exclus totalement la population des natifs, donc des non-migrants. Et là, c'est plus classique, c'est la même variable flottante, hein, mais les non-migrants ne sont pas présents. Donc là, ma modalité de référence, c'est avant la migration pour tout le monde. Mais le truc un peu bizarre et qui est compliqué de se dire, c'est que ici, par exemple, là, je compare des migrants suivant le calendrier de leur migration à des non-migrants. Mais ils doivent aussi avoir, pour être comparables, ils doivent aussi avoir une valeur dans ce calendrier de migration. Et en fait, ils n'en ont pas, en fait. Voilà. Donc c'est un peu bizarre, mais ça fonctionne. Mais intellectuellement, c'est assez compliqué. Enfin, je veux dire, c'est pas très compliqué, mais c'est pas ordinaire. C'est une gymnastique un peu spéciale. Sinon, pour le reste, la modélisation, il n'y a vraiment rien de sorcier. C'est extrêmement facile. Voilà. Moi, je me demandais si vous aviez mis de côté, vous regardez plus précisément la population au-delà de 18 ans. Parce que s'ils migrent, par exemple, à 12 ans, ou à 6 ans, ou à 15 ans, je voyais que pour les DOM, par exemple, c'est 18 ans l'âge moyen. Clairement, il y a des mineurs, et des mineurs, ils ne vont pas vivre tout seuls. Donc, potentiellement, ils vont adopter des comportements de la famille d'accueil, qui peut être les parents, ou les oncles et tantes, ou autres. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui... Enfin, je sais pas, où il faut peut-être juste vérifier pour robustesse que c'est vrai pour tous les adultes, même si on peut penser que les adultes aussi, ils débarquent chez quelqu'un. Alors, est-ce que vous avez demandé aussi la consommation des proches de l'entourage, ce genre de choses? Bah, où ils arrivent, quand ils arrivent, est-ce qu'ils sont en foyer? Ça, on ne demande pas. Voilà, mais parce que du coup, ceux dans les DOM, par exemple, ils vont arriver potentiellement peut-être dans les familles. Moins un choc parce qu'ils vont arriver. Oui, oui, oui. Mais alors après, je pense que les situations elles sont extrêmement variées. Pour les DOMiens, je pense que l'immense majorité vient faire des études en France. C'est ça, donc, 18 ans, ça faisait. Ouais. Après bac, on vient faire des études. C'est probablement le cas d'une grande partie d'entre eux. Mais on n'a pas le motif de la migration. D'accord. On n'a pas les conditions d'accueil. Et on n'a pas les changements, éventuellement familiaux qui vont avec. Donc c'est vraiment très, très descriptif. C'est décrire les usages de tabac suivant un calendrier de migration. Voilà. Mais les conditions ne sont pas contrôlées. Est-ce que vous avez... La volonté de la destination finale, est-ce que les gens, vous leur avez demandé si c'était le pays dans lequel ils souhaitaient venir? Non.
Non. Est-ce qu'on peut imaginer que s'ils voulaient aller en Angleterre, finalement, c'est par défaut, et que bah, voilà, l'intégration ouais. prendra plus de temps parce qu'ils ne sont pas francophones, enfin, voilà. Oui, c'est possible, mais non, c'est une bonne question. Effectivement, non. C'est voilà, non, tout à fait. Non, on l'a pas posé. Mais je pense que les gens qui répondent au questionnaire du baromètre en français, s'ils avaient eu l'intention d'aller en Angleterre à un moment donné, c'est raté depuis longtemps. Oui, mais si ça fait 15 ans, peut-être que voilà, c'était ouais. quelque part, il y a eu un temps de latence entre eux. C'est pas faux. Il faut retarder une intégration parce que c'était ouais. pas l'objectif. Mais je pense que ce serait des variables d'ajustement. C'est ça. Et donc, je pense pas que ça changerait grand-chose vu le. Je pense que le gros du contingent, il est venu pour s'installer. Bon, en tout cas, rapidement, il a compris que c'était là que la vie, ça allait se passer. Sinon, il ne répondrait pas à l'enquête, hein, je pense. Est-ce qu'on a une idée du niveau de consommation de carbone ? Alors, ça, c'est un problème de ces enquêtes rétrospectives. Là, c'est la consommation quotidienne, oui, non. On a le détail de la consommation pour la consommation actuelle. Mais on n'a pas le détail rétrospectif. Donc effectivement, là, on est frustre dans la mesure où on mesure une consommation oui-non, quotidienne versus pas quotidienne. Enfin, pas quotidienne, en général, ça veut dire zéro. Mais c'est vrai qu'on perd de la finesse parce qu'on pourrait avoir du stress qui est lié à la migration avec une augmentation simplement de la consommation en nombre de cigarettes par jour, transitoire durant la migration, par exemple. Ça, on l'a pas. On l'a pas du tout. J'avais juste une question. Pourquoi avoir préféré le niveau de diplôme au moment de l'enquête plutôt que la profession ou la catégorie socioprofessionnelle? Parce que la question se pose vraiment pour les personnes issues de l'immigration où elles sont susceptibles d'avoir un déclassement, donc un niveau de diplôme qui ne correspond pas à leur profession, à leur catégorie socioprofessionnelle. Et donc, le déclassement, c'est vers le bas, et du coup, ils sont plus susceptibles, même avec un niveau de diplôme élevé, de fumer parce qu'ils sont dans un milieu ouvrier où tout le monde fume. Excellente question. On a fait très simple. On a fait très simple dans la mesure où. Alors, il y a pas mal d'études qui montrent que pour ce qui est du tabac, le principal. Le principal déterminant de la consommation tabagique, ça reste quand même l'éducation. C'est un des très gros contributeurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des effets de contexte, hein, etc. C'est évident. Mais là, on est face à un problème de justement de stabilité de la mesure dans le temps, en fait. Et donc, on a privilégié quelque chose qui bouge peu, qui est l'éducation, plutôt que quelque chose qui est sujet à modification, notamment lié à la migration, qui est le statut socio-professionnel. Alors, on aurait pu envisager d'ajuster hein, sur le... la PCS ou autre. Hein. On ne l'a pas fait, on a voulu rester extrêmement descriptif, mais c'est vrai qu'on pourrait envisager de le faire pour voir si ça change les résultats. Ouais. Allez, vas-y, non, mais moi, je ne connais pas forcément bien le domaine, une question de base, il n'y a pas de crainte. Tu l'as dit au début, brièvement, puis dans les limites, mais les biais de mémoire, ils comprennent que ce serait différentiel selon le fait d'avoir migré ou pas, c'est pas un truc qui... Bon, alors sur le tabagisme, il y a quand même beaucoup d'études méthodologiques qui disent que le recueil des âges d'initiation, de se mettre à fumer, c'est quand même assez fiable. Alors ça peut, je dis pas que les gens se trompent pas à 6 mois ou un an près, hein, c'est possible. Mais globalement, c'est assez fiable. Parce qu'en fait, c'est un événement un peu marquant en fait, dans la vie des gens. Quoi. Ça reste pas une initiation, mais il y a un petit côté rituel quand même. Je finis par acheter mon paquet de clopes, ça y est, c'est fait. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez fiable. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des biais de mémoire quand même, hein, mais ils ont l'air... Entre autres, différentiel, avant, après, tu changes de vie complètement. Ouais, je sais, c'est difficile à dire. Ouais. Moi, je vraiment, pour ça, je ne le crois pas. Disons que sur l'ensemble des produits psychoactifs pour lesquels on peut recueillir des données rétrospectives, je pense que c'est comme le tabagisme le plus fiable. Hein. Sur la première génération. Ouais. Vous avez regardé selon l'âge à laquelle les gens ont migré, je veux dire à l'adolescence, quoi, à l'enfance, quoi. Alors on aurait pu opter pour cette optique-là. On l'a pas fait. On a voulu regarder nous avec un aspect plus longitudinale. On aurait pu faire ça, hein, mais c'était une analyse un peu concurrentielle de celle qu'on a, enfin complémentaire, mais concurrentielle aussi de celle qu'on propose.
Nous, on a reconstitué en fonction. C'est un intermédiaire avec la deuxième génération. Voilà. Ouais. Mais non, on n'a pas fait ça. Non, mais c'est... En gros, je pense que les... ça doit donner à peu près le même genre de choses, hein, de toute façon. Mais... Est-ce que vous envisagez faire le travail sur l'alcool ? Alors, exactement. Exactement. Donc, alors, l'alcool, alors, le cannabis, c'est assez facile, parce que le cannabis, ça a l'air de rien, mais c'est assez facile. Parce que l'âge du 1er juin et l'âge du passage à un usage régulier, quand on s'y met vraiment, c'est pareil, c'est comme le tabac, c'est assez marquant. Et l'âge de cessation de ça, c'est à peu près bien documenté aussi et c'est solide. L'alcool, par contre, c'est extrêmement fluctuant. Et alcool et alcool, voilà, c'est compliqué parce que il y a vraiment tout un continuum d'usage d'alcool, de la consommation un peu régulière mais très légère en fait, jusqu'à l'ivresse prononcée. Et donc, et ça varie beaucoup plus dans le temps. Que, je veux dire, même pour un même individu, indépendamment des changements qu'il peut subir dans sa vie, voilà, le rythme de la vie fait que ça varie vachement plus que la consommation de tabac. Le tabac, c'est assez stable. On décide d'arrêter ou pas, on peut avoir des ratés, mais globalement, quand on fume pour une certaine période. Alors que l'alcool, on est obligé de fixer un seuil, parce que si on parle de la consommation quotidienne, ça concerne très peu de gens. Et si on parle d'une consommation régulière, c'est un peu compliqué parce que c'est au moins une fois par week-end, c'est pas comme ça qu'on a tendance à raisonner. Le tabac et le cannabis, quand on parle d'un certain niveau de consommation, c'est oui-non, quoi. C'est simple. L'alcool, il faut réfléchir. Mais, pour donc, l'alcool, il y avait les données de l'enquête nationale périnatale, qui sont des données à la BTO, il y a l'alcool et puis la statue de migration. Ouais. C'est exactement ce que je vais dire. Voilà. Mais en tout cas, on a collecté ces données-là rétrospectivement pour le cannabis et l'alcool en 2017. Donc on va essayer de regarder la même chose. Ouais. Je pense que pour le cannabis, ça va marcher très bien. Et sur le 2010, j'avais déjà un peu regardé en rétrospectif, ça marche bien. Pour l'alcool, par contre, c'est plus erratique. Parce que l'alcool est questionné avec des seuils d'usage dans le baromètre. Et du coup, ça fait un peu ça. C'est pas très, très clair. Voilà. Une question. Ouais. Merci.